Bonjour, voici un nouveau numéro de classe de maître sur une grande maison champenoise, Piper Altic, avec son jeune chef de cave, Émilien Boutilla. Émilien, tu es devenu chef de cave d'une des plus grandes maisons de Champagne à seulement 32 ans. Tu en as 36 aujourd'hui Ouais, j'en ai 36 aujourd'hui, donc je suis arrivé en 2018. J'avais même 31 ans. C'est une chance que, que la maison, une maison historique fondée en 1785, fasse confiance à quelqu'un comme moi qui avait. À peine plus de 30 ans. C'est quoi ton parcours en quelques mots ouais, Je suis un enfant de la Champagne. Je suis né en Champagne. Mon, mon père est vigneron. Mon enfance euh, a marché dans les vignes avec mon père, a taillé avec mon père, vendangé. J'ai voulu voir autre chose, euh, rencontrer d'autres vinificateurs, d'autres terroirs. Donc j'ai décidé d'aller étudier à Montpellier. Après Montpellier, d'un même logique, je voulais découvrir d'autres choses. Donc Châteauneuf-du-Pape euh, en 2008, Château Margaux en 2009. Et j'ai voulu aller découvrir du coup le nouveau monde. J'ai commencé par la Nouvelle-Zélande, puis Californie, Chili, Afrique du du sud et après toutes ces expériences bah, quelque part il était temps pour moi de revenir en champagne de retrouver ma famille mon terroir et j'avais envie d'amener de, de, ma touche ce que j'ai pu apprendre à l'international en champagne piperaitic c'est une, une maison qui a eu une euh, longue vie c'était le champagne des stars du cinéma etc elle a trouvé une véritable reconnaissance auprès des consommateurs et des grands amateurs en créant cette gamme qu'on va déguster qui s'appelle la gamme essentielle et en quelques mots la collection essentielle c'est voilà, retour aux sources de l'Adn du style de la maison Piperetique, on revient à l'essence même de l'assemblage et du style Piperetique. Alors bien sûr, c'est lié à l'origine des raisins, euh, en particulier le pinot noir qui est ouais. fondamental et historique dans le style de Piperetique et la touche Piperetique, c'est de trouver l'élégance et la fraîcheur dans le pinot noir. C'est un vieillissement prolongé sur l'ensemble des cuvées essentielles. Un dosage plus faible en lien avec ce vieillissement prolongé, on a un crémeux, un gras qui vient naturellement de l'autolyse des levures, on a besoin de moins de sucre. Donc on est dans l'univers extra brut. Et aussi, avec Essentiel, on a voulu jouer la carte de la transparence. Sur l'étiquette et la contre-étiquette, on va retrouver l'ensemble des informations du vin, l'assemblage, le pourcentage de vin de réserve, date de dégorgement. Donc, toutes ces informations qui sont précieuses pour le sommelier ou pour l'amoureux du champagne, l'amoureux du vin. Nous voici avec le premier vin de cette gamme Essentiel. Tu disais tout à l'heure qu'Essentiel, c'est l'essence même, sans jeu de mots, de piperatique. Ça veut dire quoi l'essence même Essentiel, en effet, de par ce vieillissement prolongé, on va vraiment faire ressortir la minéralité du terroir euh, champenois et on va revenir en effet à, pour moi à l'essence du style piperétique. Le dosage qui est plus faible aussi, qui souligne ouais. la complexité de l'assemblage la, et du coup, c'est une cuvée qui est vraiment faite pour les amoureux du vin. Ça se marie parfaitement aussi en restauration avec la gastronomie. Et Ce qui est frappant euh, quand, quand on le déguste, c'est vraiment d'abord le, le mot de complexité. Cette complexité aromatique, cette complexité de saveur aussi, hein, c'est un vin qui est très accessible, ces saveurs s'entremêlent, ça se poursuit en bouche, mais en même temps, il y a des petites notes épicées, il y a, il y a des notes presque confites. Et en effet, cette notion d'avoir une complexité sans être compliquée, c'est vraiment ce qui définit ouais. pour moi essentiel. L'assemblage est clé, mais... Le vieillissement aussi est clé, puisque là on est sur un premium non-vintage. Le vieillissement en cave total est de 6 ans. La mise en cave de ce produit a été faite en 2017, donc on est déjà en 2023. 6 ans de vieillissement total. Donc tu me disais que l'assemblage, le, le, c'est vraiment une notion fondamentale chez Piper, comme dans toutes les grandes maisons, mais que vous réaffirmez, c'est pas euh, un champagne de cru comme ça se fait beaucoup en ce moment. En l'occurrence, dans ce verre-là, tu as plus de 50 terroirs différents. Ouais. Qui représente vraiment l'ensemble de la Champagne. Les Pinots Noirs viennent de la montagne de Reims, mais aussi de la côte des Barres. Les Meuniers viennent de la vallée de la Marne, mais aussi du massif de Saint-Thierry, par exemple. Les Chardonnay viennent de la montagne de Reims, de la côte des Blancs, du Cézannet. Donc on réunit dans ce verre la diversité et la richesse des terroirs champenois. Et on a un peu l'idée d'orchestre, d'orchestre symphonique. On va venir Absolument. trouver la synergie et la symbiose entre tous les terroirs par l'art de l'assemblage. Et du coup, c'est vraiment un vin que, qui est assez universel euh, d'usage. On peut le boire vraiment à l'apéritif. Mais vraiment, il accompagnera aussi très, très bien un repas. Peut-être plus sur des, des viandes blanches. Ouais, on est vraiment sur l'univers ouais. viande blanche, un risotto aux champignons, ouais, risotto euh, truffé, ça marche ouais, très parfait, bien aussi. Ça. Produits de la mer, ouais, je serais plutôt sur des poissons, mais cuisinés avec une sauce au beurre blanc, des, des choses un peu plus riches, ouais. un peu plus généreuses. On a envie de se régaler. Voilà. On est une maison qui est plutôt associée au pinot noir. Donc lancer un blanc de blanc, ça peut paraître surprenant. On aime faire les choses différemment. On aime twister les choses. Et ça se retrouve dans plusieurs étapes de l'histoire de la maison. Donc lancer un blanc de blanc, en effet, c'est peut-être contre-intuitif. Mais ça marche très bien et puis c'est un blanc de blanc avec la pâte et la signature. Oui, c'est un blanc de blanc qui a un vrai caractère, pas un blanc de blanc un peu tactique qu'on qu crée pour non. compléter une gamme. Tu parlais de minéralité tout à l'heure, là on l'a vraiment, on est sur le calcaire, ces agrumes, on est sur le, le chardonnay euh, tendu, euh, profond, intense. Franchement, c'est un blanc de blanc qu'on n'oublie pas. Bah, c'est exactement ce qu'on qu cherche à faire, s'inscrire dans le style Piper, qui est vraiment sur le côté vibrant. Croquant du fruit ouais. et cette minéralité, cette élégance. On peut schématiser, la, la Côte des Blancs va nous amener cette minéralité, cette tension, cette fraîcheur. Ouais. Et On a besoin, comme c'est un extra-brut aussi, de la montagne de Reims pour amener un peu plus de caractère, de puissance. Et Cézanne, peut-être un petit peu le. le sud. Ouais, le, le sud, un peu plus de soleil, un peu plus de générosité, un peu plus de fruits. Alors, on a déjà parlé des vins de réserve, mais je voudrais revenir parce qu'on a des vins de réserve qui sont vraiment nés pour faire de la complexité. Et ça. C'est une des forces de Piper ITIC depuis très longtemps. Je me souviens avoir visité la collection des vins de réserve. C'est une bibliothèque extraordinaire. C'est une chance inouïe. Je savais en rentrant dans la maison qu'il y avait cette collection de vins de réserve. On a une diversité de terroirs, d'années, donc chaque année est différente. Là, on est sur une vendange 2016 principalement, mais pour équilibrer cette vendange, je vais avoir besoin... De Tel ou tel style de vin de réserve. Et l'année d'après, ça sera différent. Tout à l'heure, on a parlé de volaille, de poissons en crème. Là, on est vraiment dans l'océan et la pureté de l'océan, euh, des poissons à la plancha ou peut-être des coquillages. Ouais, exactement. L'accord parfait pour moi, c'est les huîtres. T'as raison. La simplicité, la pureté, les huîtres. Après, ça peut marcher aussi avec des ceviches, avec des poissons crus, des sashimi. On va vraiment chercher la pureté et comme tu l'as dit, l'océan, l'iode, ça ouais. marche très bien. L'idée de cette cuvée, c'est clairement de respecter et rendre hommage à l'histoire de la maison. Son affinité avec le pinot noir d'abord, on en a 80% dans l'assemblage, mais aussi le meunier. Mais c'est aussi un hommage au style Piper et à son côté moderne, résolument frais, croquant, vibrant. C'est vraiment ça qu'on a voulu souligner sur cet assemblage. Il y a ce fruit d'abord euh, qui est vraiment très expressif. Il y a aussi cette, euh, cette longueur, cette tension, cette fraîcheur. Le dosage, on ne le sent absolument pas. Là, on avait vraiment la volonté d'en faire un blanc-noir très contemporain, très moderne. Et c'est aussi la première année où on a fait vraiment l'effort de tracer chacun des raisins qui étaient certifiés, que ce soit sur notre vignoble maison ou chez nos partenaires. Et c'est donc la première cuvée élaborée à 100% à partir de 20 tracés viticulture durable en Champagne. Une grande évolution de la Champagne en général, mais depuis Paraitico aussi, c'est de suivre une philosophie qui soit en harmonie avec les enjeux de la planète aujourd'hui. Et ces enjeux aussi pour le consommateur, c'est-à-dire la traçabilité, c'est fondamental. Tout ça, ça a donné lieu à un label qui s'appelle Bicorp. C'est vrai que les enjeux environnementaux ont toujours été dans l'ADN de la maison, et cette cuvée, c'est juste une étape. Les enjeux carbone sont clés, les enjeux eau, les enjeux énergie, et le label Bicorp est, en fait, est un label international, très exigeant, très complet, qui est donné uniquement aux entreprises qui, quelque part, remplissent des critères sociaux et environnementaux très élevés. Comment on s'adapte au réchauffement climatique et comment on change nos pratiques aussi Comment on change la façon dont on élabore du champagne On y regarde de près. D'ailleurs, on s'est engagé à réduire notre empreinte carbone de près de moitié d'ici à 2030. Donc, c'est demain. Dans quelle mesure on peut avoir un impact sur les mers qui est moins impactant qu'aujourd'hui L'empreinte carbone, c'est aussi beaucoup la bouteille. Donc, Paper qui est exclusivement tiré en bouteille allégée et ça depuis de nombreuses années. Mais on travaille pour voir si on peut aller encore un peu plus loin. Vous avez de quoi bosser pendant les 50 ouais. prochaines années. On a une équipe incroyable, une équipe jeune, une équipe dynamique. L'histoire est magnifique et on va continuer de l'écrire. Bah c'est super.